Salut tout le monde, c'est Ryzen, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo les amis. Aujourd'hui on se retrouve pour la suite de notre petite aventure sur Avatar Frontier of Pandora les amis. Et donc là on doit aller, si je me trompe pas, en haut de l'arbre monde. Voilà, c'est bien ça. Enfin, de l'arbre maison, pour aller parler à Etoua. Je dois réparer le harnais de mon Iclan. Tu devrais demander à... On va essayer toujours de garder un peu les rations, les machins. Vivement que j'ai ma monture, enfin que j'ai mes montures, parce qu'apparemment on en a plusieurs dans le jeu. On peut avoir un cheval, enfin un qui ressemble à un cheval, on peut avoir un qui vole apparemment, j'ai vu. Je ne me rappelle plus comment il s'appelle. Allez, let's go. Pardon. Je cherchais Etoua. Non, ne pars pas. Reste avec moi un moment. J'ai laissé parler ma peur et ma colère. Et j'ai déshonoré ton chagrin. Même si elle a rejoint Eiwa, le souvenir de ma douce Asae me rappelle tout ce qui nous a été enlevé. Sa sagesse et sa bonté restent en nous et en Etoua. Je vous vois, toi et Etoua. Suivre le même chemin, un chemin qui l'éloigne de moi. Elle est comme sa mère, impétueuse et obstinée. Elle est l'intrépide Na'vi que j'aimerais devenir un jour. J'ai tenu Asae dans mes bras quand elle est morte. Elle était intrépide, elle aussi. Là où tu vois un risque nécessaire, je ne vois que guerre et désolation. Mon peuple a déjà tellement perdu. Mais si tu fuis le combat, tu risques de tout perdre. Un instant, nous avons cru voir l'esprit pacifiste des Sarentu en toi, mais il semble avoir péri avec eux. Qu'attends-tu ? Je vais aller voir Etoua. Il casse les têtes, lui. Il casse la tête, lui. Avant d'être professeur, j'étais le chasseur le plus talentueux des Aranahe. Moi, je chasse pour trouver de la viande, pas ceux qui viennent du ciel. On est là. Allez. Je sais pas où ça va nous mener l'intrigue du jeu. Comment là, peut-il penser que c'est de ma faute? Est-ce que tu... Voilà le retour de notre héroïque Sarentu. Tes ancêtres doivent être fiers. Les chasseurs m'ont informé de la triste mort de Zomei. Ceux qui viennent du ciel ne respectent ni la vie, ni la beauté. Ils sont responsables pour les Kinglor. J'en suis sûr. Qu'y a-t-il? Lorsque ta mère avait ce regard, ça se finissait mal. Lis-toi, leur reine. Elle te montrera ce qui l'a fait souffrir. J'ai essayé, mais je n'ai pas compris ce que j'ai vu. Et si elle me rejette? Je tiens plus des humains que des Na'vi. Tu es les deux. C'est ça qui fait ta force. C'est pour ça que ça doit être toi. Ton père risque de nous bannir s'il l'apprend. Je sais qu'il a peur pour nous, Nefika. Mais si nous ne faisons rien, il n'aura plus rien à protéger. Le clair de lumière est parfait pour un rendez-vous en toute discrétion. Oui, j'y escorterai la reine des Kinglor. Apaise ton regard, ma Yantu. Tout ira bien. Une simple piqûre. Et quand tu te réveilleras, nous te donnerons un Nictsiei de nectar. Une piqûre? Ce n'est rien. Le Nictsiei de nectar te remettra sur pied. Tous ceux qui demandent des visions à la reine des Kinglor doivent récupérer du nectar avant le rituel. Rassure-toi, tu es plus Na'vi que tu ne le crois. Allez, file!
Ok. Alors, récolte du nectar des ruches du marais pour préparer. J'ai pas besoin, je fais ça et ça me dit direct où il faut que j'aille. Déjà, j'ai un nouvel arc. Donc ça, c'est cool. Hop, hop, on va y aller là-bas. Bonjour, qui est là? Merde, j'ai loupé ma branche. Bonjour, nous essayons d'aider ce pauvre animal. Ceux qui viennent du tout ciel va bien. Ne t'inquiète pas. Tu es c'est vrai que tu peux toucher le métal. Et tout va bien. Sois tendre avec lui. Ne lui fais pas peur, sinon il s'enfuira. C'est mieux comme ça, hein? Merci pour ces cadeaux. Ok. Merci
pour ces cadeaux. Voilà. Maintenant, il faut aller par là. La nature là, elle est waouh. Il y a un puits de pétrole ou quoi là? Un puits de, je sais plus quoi, de forage là. Ah oui. Ah, ok, on va faire ça. J'essaie d'aller péter leur truc là. Là, voilà la nature comment elle est défoncée là. On doit la stopper. Il faut faire quelque chose. Mais comment? Comment pourrait-on faire quoi que ce soit? Le tissage, c'est terminé. Oh. Je vais apprendre à chaque fois. Il faut d'abord que je me prépare. Un autre... Attends! Je devrais manger un peu. Me revoilà, un autre site d'extraction. Je vois des tours et des silos. On dirait une exploitation gazière. Tu as deviné ce qu'il doit y avoir dans les silos ? Si je comprends bien ces plans, tu dois désactiver les deux tours et l'unité de stockage de gaz. Fonctionnement mécanique. Le quelqu'un s'en occupe.
Ceci est une alerte de niveau 1. Veuillez suivre les protocoles. Bon, de quoi je manque? Ça signale une hausse de l'activité des navires dans cette zone. Un autre complexe d'extraction. Un autre complexe d'extraction gazier. À toutes les unités, des hostiles ont été repérés. À toutes les unités.
Ceci est une alerte de niveau 1. Veuillez suivre les protocoles. On nous signale un dysfonctionnement mécanique. Que quelqu'un s'en occupe. Let's go! Ah, est-ce qu'on a tout pété? Ça peut pas.
par ici. On évacue d'urgence. Évacuation en cours. On est dans les airs. La forêt se régénère. Je dois trouver ce nectar. Allez. Ils n'ont pas laissé grand-chose derrière eux. J'aurais dû faire moins de bruit. On va prendre tout ce qu'ils ont laissé, hein. Qu'est-ce qu'ils vont plus laisser d'autre? Au moins, là, on l'a fait.
Merci pour ces cadeaux. Allez, hop. Ok. Je trouve pas. Thank you.
Ah non, bah c'était pas là. C'était pas là. Je croyais qu'il y avait de l'eau pour me rattraper, mais en fait, ben je crois pas. Du coup, voilà, je suis mort. Alors attends, le guide des chasseurs, épinglé. Se trouve dans le biome des terres marécageuses de la forêt soyeuse de la forêt des Kingloom. Mais je suis dans quel biome? C'est ça la bonne. Forêt soyeuse, donc normalement. Je l'ai. Semblable à de la soie qu'on tisse. Elle a toujours besoin d'un nouveau tournant. Notre santé est notre bien le plus précieux. Souviens-toi de cet endroit. Étrange comment? Eh ben, je fais un peu de maintenance. Le système de filtration me donne du fil à retordre. T'as vu, Coco? Ria, le truc étrange. Ah oui, pardon. J'essayais d'attraper un outil qui était trop haut. Et là, Nord débarque, il me regarde et il dit « Je vais m'en occuper ». Et il me le donne. Tu lui as dit quoi? Rien. Je savais pas quoi faire. J'ai souri, c'est tout. Il nous aide beaucoup ces temps-ci. Même nous, les humains. Peut-être qu'il s'habitue à ta présence. Tu n'es pas si désagréable que ça. Ouais, t'as raison. Ça me fait plaisir. Bon, je dois te laisser. Appelle-moi si t'as besoin. Le style de la montagne, hein.
Espérons que ça marche. L'espoir est la seule chose qu'il nous reste, Maya Antu. As-tu apporté le nectar? Eiwa nous a apporté le cœur. Ça ne va pas durer longtemps si Kanat découvre notre plan. Ça va faire mal? Non. Eiwa, nous accueillons ton étreinte chaleureuse et nous nous lions à tout être vivant à travers toi. Guide son esprit. Et emmène-le jusqu'au cœur du nid. Un nid de Kinglore? Oh, la reine. Pas l'arbre maison. Elle est heureuse. Elle essaie de me montrer quelque chose. C'est beau. Elle veut rassembler les Kinglore. Ils sont affamés. La reine les guide vers des fleurs pour les nourrir. À l'horizon, elle voit une installation de la RDA, mais elle ignore ce que c'est. La reine veut trouver d'autres fleurs pour nourrir les Kinglore. Les vagues d'énergie la perturbent, elle le sent. L'essaim est agité. Elle est confuse. Alors, elle continue de voler. Je sens quelque chose. Une vague d'énergie. Violente. La reine... Elle doit trouver les autres Kinglore. Elle doit les protéger. Une vague d'énergie. Elle ferme les fleurs dont ils se nourrissent. Les Kinglore ont faim. Ils sont angoissés. Les ballons. La vague vient des ballons. Elle repousse les Kinglore. Ils sont confus et perdus. Elle ne sait pas comment s'en débarrasser. La reine voit l'ombre qui plane, qui menace les saints. Elle me montre les autres ballons. Une installation de la RDA. Elle envoie un signal au ballon. Les Kinglore sont faibles. La reine doit se dépêcher et trouver un endroit sûr avant que les saints ne meurent. Voler, s'éloigner des ballons. Les saints est faible. Où les mène-t-elle? Je sais pas trop où on va là.
Je pense que ça va. Mange ça. Tu as fait un long voyage. Que t'a montré la reine des Kinglore? J'ai vu la base des humains dominant la forêt. Elle envoie un signal aux appareils volants. C'est ça qui perturbe les fleurs et empêche les Kinglore de se nourrir. C'est pour ça qu'ils ont dû se réfugier dans l'arbre maison. Mais le problème, c'est qu'on ne peut atteindre ces appareils que depuis les airs. Je vais abattre ces appareils volants jusqu'au dernier. Ça ne suffira pas. Le signal vient d'une base de ceux qui viennent du ciel, près des colonnes de pierre. Mais je crois savoir comment désactiver les capteurs de ces appareils. Alors tu vas devoir voler avec nous. Il te faudra un Ikran. Ah. Ikran est un honneur que seul Ka'Nath peut accorder. Et il refusera. Les Kinglore ont montré que les Sotouté étaient à l'origine de tout cela. Il sera forcé d'écouter. Je vais rassembler les chasseurs. Leurs arcs nous aideront à sauver les Kinglore. Nefika te retrouvera à l'entrée de la volière. Il est temps de prendre ton envol, Marantu. Je vais ramener Itu. Ça lui fera du bien de te voir enfin te lier. Nous nous retrouverons en hauteur près de la volière. Nos flèches seront implacables quand nous attaquerons ceux qui viennent du ciel. Et si je n'arrive pas à faire le lien? Ton honneur ne sera pas perdu, ma Yontu. On chantera l'histoire de l'Ikran qui t'a fait tomber de la volière. Tu dois d'abord te lier à Eiwa. Elle te préparera à trouver ton Ikran. Ok. Très bonne connexion à l'arbre de la voix. Ok, ok. Ok, donc nous les amis, on va s'arrêter là du coup pour cette vidéo là. J'espère en tout cas que ça vous aura plu. N'hésitez pas comme les amis à liker, commenter, partager, bien sûr à vous abonner à la chaîne YouTube. Et moi, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bye bye.